Yo les gars, c'est Nancy, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Honkai Star Rail. Alors je sais pas quel va être le titre de la vidéo, la miniature, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va débloquer Docteur Ratio. Alors, il y a deux solutions pour le débloquer. La première, c'est de l'invoquer, évidemment, comme dans toutes les bannières. Et on va regarder juste après. Et la deuxième solution, c'est n'importe quoi. Elle est juste là, la solution. On va lire quand même ce qui a marqué. Déjà, on va récupérer ce petit truc. Hop. Alors, accusé de réception pour votre souscription au Docteur Ratio. Réponse automatique. Bonjour, je suis Veritas Ratio. Le savoir doit se transmettre librement entre chaque individu et il en va de même pour la vérité. D'ailleurs, essayez de me ratio dans les commentaires. Marquez tous Ratio et on va voir celui qui aura le plus de likes. Si vous avez plus de likes que ma vidéo, c'est que vous êtes un boss des ratios. En ma qualité, je vous propose de répondre à une série de questions dans le cadre d'un entretien privé qui prendra en effet, non, qui prendra effet dès que vous le solliciterez. Vous pouvez faire part des problèmes techniques à tout moment. Aussi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous fournir une réponse avant de me poser une question. J'espère que vous saurez manifester la faculté de raisonner de manière indépendante, car il faut garder à l'esprit que le temps est précieux pour tout le monde et pas pour... C'est parti! Pa-pa-pa, Docteur Ratio! Le nom est quand même what the fuck. Après, de base, Ratio, c'est... Nous, on le connaît sur Twitter et tout, mais de base, le mot ratio, c'est un truc mathématique, etc. Mais bon, ils auraient pu faire un effort quand même. C'est comme sur Genshin Impact, il y a un mec qui s'appelle Gaming, genre ça n'a aucun sens. Ok, bon, Docteur Ratio, il est magnifique. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va regarder un petit peu partout s'il y a des trucs à débloquer. Déjà, dans les annonces, j'avais déjà regardé hier, mais du coup, on a tout ça. On a le retour de Kafka, on va les regarder juste après, vous inquiétez pas. Optimisation, on s'en fiche. On a des petites affectations. Bon, ça, c'est pas très intéressant, mais je le fais vite fait, puisque, hop, comme ça, c'est fait. Parfait. Dites-moi d'ailleurs, vous, vous faites quoi comme affectation, vous? Est-ce que vous prenez des matériaux? Moi, je prends toujours les trois qui sont là, parce que je trouve que c'est très important, l'XP, l'or, enfin l'argent. Et après, je prends un des 8 qui sont là, enfin des 6, en fonction de celui qui me manque. Et puis à droite, je ne prends jamais. Alors, dans le carnet de voyage, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une nouvelle aventure, ok, ah, avec beaucoup de primo, ok, pas mal. On a du coup une quête qui est là. J'ai une quête, Arlan il m'a parlé par message pour me donner la quête, donc c'est la quête de l'event. Ici on a des tests de perso, on va se les faire ensemble d'ailleurs. Il y a trop de trucs partout, je suis perdu. Bon, on va commencer par les tests de perso les gars. Hop, normalement je fais les 5 étoiles en dernier, mais là on va le faire en premier parce que le watch time c'est important et sinon vous allez tous quitter la vidéo. Alors, Docteur Ratio, donc c'est un personnage chasse, les attaques des alliés peuvent déclencher des attaques de suivi puissantes, augmentent les chances de coups critiques, dégâts critiques en fonction du nombre de malus sur chaque ennemi. Ok, ça a l'air intéressant. Alors, son E, qu'est-ce que c'est? Ça met une statue, mais on l'avait déjà vu, je crois. Je crois qu'on l'avait déjà essayé dans la quête principale, il me semble. Ok, bon. Boum. Donc ça fait une sorte de provocation. Et je crois que le mob attaque la statue. Et après tu peux lui taper les fesses. Inflige des dégâts imaginaires mineurs. Inflige des dégâts imaginaires à une cible unique. Son ultime, ça inflige des dégâts imaginaires à cible ennemie. Hein. Avec une attaque de suivi, tout ça. Bon, ça a l'air d'être un personnage quand même plutôt classique, honnêtement. Mais après, c'est un personnage gratuit. Donc est-ce que il serait top tier en étant gratuit? Après, peut-être qu'il est top tier. Hein. On verra. Aucune idée. Bon, c'est parti en tout cas, on va se faire le boss vite fait. Vous le faites avec moi les gars, c'est rapide. Hop. On va essayer de speedrun. Boum. Hop. Le petit bouclier de Jeppard. En vrai, il est plutôt stylé quand même. Du coup, là, on voit en bas à gauche que j'ai des sortes de petits trucs. Et ça se recharge dès que je mets mon ulti. Oh, en vrai, il a pas l'air dégueu, honnêtement. Ah ouais, il a pas l'air dégueu. Eh, en vrai de vrai, il a l'air pas mal. Après, est-ce qu'ils ont fait exprès de mettre un monstre pas trop compliqué pour qu'on se dise putain, il est fort et donc on l'invoque? C'est possible. Parce que c'est des malins quand même. Hop. Du coup, la petite Kafka. On connaît Kafka. Kafka d'ailleurs, je ne la joue toujours pas dans mes teams. Je ne l'ai toujours pas build en réalité, c'est ça que je voulais dire. Bon, j'ai pas été assez rapide pour appuyer sur l'ulti, du coup il m'a tapé avant.
Ok. Bon, pas très intéressant pour l'instant. Bon, les trois autres, j'irai les faire tout seul, vous inquiétez pas. Les trois autres essais. Mais là, les deux personnages de 5 étoiles, on les fait ensemble. Ok. Magnifique. Magnifique. La petite Serval. Serval, je la trouve plutôt cool. En vrai, elle est pas si nulle que ça. On pourrait croire. Ok. Bon, les gars, on se retrouve du coup dans 5 minutes. Je finis les quêtes. Enfin, les personnages d'essai. Et puis, je vous retrouve. Ok, les gars, c'était rapide. On a fini les 3. Et d'ailleurs, on va regarder quelque chose. J'ai envie de voir, je les ai eux combien, les 3 là. Donc, Natasha, Hook et la petite Souchang. Alors, Souchang, E6. Hook, E6. Et Natasha. Natasha, je l'avais un peu joué. E6. Ah, dommage. Purée. Parce qu'en fait, si je n'aurais pas E6, j'aurais fait quelques invocations pour la vidéo. Mais bon, malheureusement, ça sert à rien en fait. J'ai déjà tous les persos, donc ça sert à quoi? Kafka, du coup, je l'ai déjà. Les 3 cônes là, je les ai. Et puis, les cônes 5 étoiles, je les invoque pas. Bon, bah, les gars, malheureusement, pas d'invocation aujourd'hui, mais bon. On a eu un perso gratuit. Franchement, moi, je préfère largement 10 000 fois avoir un perso gratuit et de pas invoquer. Comme ça, du coup, on va garder toutes nos primogèmes pour le prochain personnage. Et on se fera une bête d'invocation. Alors, du coup, on va vite fait quand même s'améliorer le petit ratio. Hop. On va le mettre niveau 40, vous le savez, pour avoir les tickets primaires. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais pour avoir les petits tickets de perma. D'ailleurs, j'ai eu le cône de Yangxing 2 fois. Genre, ça n'a aucun sens. En gros, j'ai fait une pitié entière sur la bannière perma, j'ai eu le cône de Yangxing. Et ensuite, j'ai fait genre 10-20 vœux et j'ai eu encore le cône de Yangxing en early sur cette bannière. Ça n'a aucun sens. Oh, Sampo, comment ça va? Bon, Sampo, je l'ai déjà, E6. Au moins, on a eu un petit 4 étoiles. Du coup, avant de terminer cette vidéo, hop, on va vite fait se faire nos petites quêtes quotidiennes, les gars. Boum. En plus, celle-là, elle est rapide avec Gunam. Il s'appelle comme ça? Il s'appelle comment? Je me rappelle plus. Non, Gun, pas Gunam. Allez, allez, hop, ça skip, ça skip, ça skip. C'est rapide. C'est dommage que le téléporteur il mette à l'intérieur. Parce que du coup, tu dois sortir par la porte à chaque fois. Elle, c'est une alien, je crois. Enfin, non, une IA. Ou un robot. Pas un alien, mais vous avez compris. Ok, ok, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Bon, du coup, cette vidéo, vous la verrez le lendemain. Donc, le 18. Et pas le jour de la sortie de Ratio. Parce que tout simplement. La vidéo d'hier, si vous voulez aller la voir, c'est une vidéo sur Danmachi Battle Chronicle. C'est sorti en même temps. Les deux sont sortis le 17 à midi. Et donc j'ai dû faire un choix et j'ai choisi Danmachi Battle Chronicle pour hier. Parce qu'en plus c'est une vidéo invocation, donc c'est plus intéressant je trouve. On va faire ça. Boum. Boum, boum, boum. Magnifique. Hop. Et voilà. Du coup les gars, on a clear tout le contenu. À part encore ça là. Mais du coup je le ferai hors vidéo. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu avec le petit docteur Ratio. Donc si vous voulez l'avoir gratos, vous avez juste à aller dans vos mails. Et si vous l'avez pas, dites-le en commentaire, mais ça m'étonnerait. Normalement tout le monde l'a. Mais si jamais vous l'avez pas, dites-le et peut-être qu'on cherchera une solution. Mais normalement c'est gratuit pour tout le monde, vous avez rien à faire, vous juste vous lancez le jeu. Et vous avez je crois un mois à peu près. Donc voilà, ciao ciao les gars. N'oubliez pas de liker et de vous abonner comme d'habitude.